Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo pack opening. C'est la fin de FIFA, bien évidemment. Les packs, il y en a beaucoup. C'est des packs, des gros packs en général. Donc il y a moyen d'avoir de jolies choses. C'est vrai que ça donne envie. Donc là, c'est le premier pack que j'ouvre. Donc j'ai commencé il y a à peu près 2 semaines. Donc voilà, c'est déjà des bons petits joueurs pour commencer, ça fait plaisir, ça change du début de FIFA qui d'habitude nous donne très peu de choses dans les packs, on va pas se mentir. Là on commence par un Yano Black qui évidemment est non vendable, donc ça c'est un petit peu décevant. On enchaîne assez rapidement, hein. Il n'y a pas vraiment de transition. On est sur du pack opening qui enchaîne, sur du TOTS. Team of the Seasons jusqu'à maintenant, comme c'est indiqué dans le titre. Voilà, donc là un petit Chesney qui est parti dans un SBC depuis, hélas, pas trop le choix quand on manque de joueurs de haut niveau, de haut collectif, non c'est pas ça qu'on dit, c'est quoi déjà? De grosses notes, hein. De hautes notes, j'ai pas le mot là en fait. Voilà, bon sans Chesney, voilà, bon après c'est pas des gros joueurs, on frôle pas on frôle même pas les 100K, je ne crois pas, je ne me souviens plus mais je ne crois pas. Jonathan pareil, c'est parti dans un SBC. Donc tous ces joueurs évidemment ne sont pas des joueurs exceptionnels. Mais bon, les notes font quand même plaisir. C'est pas des 90. Après, il peut y avoir de bons 90, je ne suis pas au courant de ça. Pour l'instant, j'ai pas non plus toutes les notes en tête, tous les joueurs en tête. Je sais très bien sur lesquels il faudrait tomber quelques petits joueurs à plus d'un million, mais bon. Peut-être qu'on en verra un dans cette vidéo. Le suspense est présent. Illicic, très belle note, 96. Bon après, j'ai pas réellement testé le joueur, hélas. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Et il est également parti dans des SBC. Alors le plus gros SBC que j'utilise actuellement, qui n'a pas été le plus gros packing, on va dire, que je n'ai pas record, hélas. Alors c'est un Italien aussi, lui je l'ai toujours d'ailleurs dans la Serie A que j'ai construite. Et c'est Lautaro, celui que j'ai eu, qui pour l'instant me satisfait énormément, comme vous pouvez vous en douter, qui est à plus de 200K, si je ne me trompe pas, 230, 250K actuellement. Donc ça fait toujours plaisir. Un Neuer vendable, ah, c'est toujours intéressant à prendre, quelques petits crédits. Voilà, je vais laisser. J'ai laissé car, c'est-à-dire que sans spoiler, juste après, il y a eu pas le back-to-back, on peut pas dire ça comme ça, mais la bonne note back-to-back. Les petits packs 82-88, où on espère toujours avoir un 83 minimum actuellement. Et là voilà, la bonne surprise de ces petits packs-là qui m'ont porté beaucoup de chance. J'ai également eu un Payet Scrim Edition, quelques hivers, un peu de tout et franchement ça vaut le coup pour ce que c'est, des petits joueurs rares, pardon, des petits joueurs or et quelques joueurs bronze. Franchement, ça vaut le déplacement, surtout au prix actuellement des 82 plus. Évidemment, on ne peut pas avoir non plus les milliers des cents, mais c'est déjà pas mal. Ah voilà, un des plus beaux, du moins un des plus intéressants que j'ai pu packer, que j'ai testé, qui est très très intéressant. Évidemment, lui, je vais le garder en super sub ou en joueur. Bref, voilà. Et un petit bonus sur la fin. Tout ça pour vous dire merci de m'avoir regardé. Et à une prochaine. Salut!
Salut, salut!